La reine Elisabeth II est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans. Elle était née en 1926 et est décédée en 2022. 96 ans de vie sur Terre. Elle avait accédé au trône en 1953 à l'âge de 25 ans, succédant ainsi à son père George VI. Son règne a duré 70 ans, faisant d'elle la détentrice de l'un des plus longs règnes sur le plan mondial. 96 ans sur Terre, c'est pas donné de nos jours. L'enterrement aura lieu dans 10 jours. Du coup, son fils Charles III sera couronné roi d'Angleterre demain à 11h au Parlement. Pendant son règne, la reine Elisabeth II a visité des centaines de pays. Elle a vu les différents président dans les différents pays. Par exemple, en France, elle a connu 9 présidents. Dans d'autres pays, elle a connu aussi plus de 3, 5. Aux États-Unis, c'est waouh! Elle a vraiment mis du temps. Elle a mis du temps. Elle a servi son pays, comme on le dit, avec dignité, avec engagement et dévouement, sans faille. Elle restera à jamais gravée dans l'histoire. Mes condoléances à la famille royale et aux Britanniques en général. Bon, pour la petite information, Vladimir Poutine, apparemment, après le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine, avait dit que la seule personne qu'il pourrait encore écouter dans l'ancien monde était la reine d'Angleterre. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus et son fils succédera ainsi à son règne. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et de commenter aussi. En n'oubliant pas, bien sûr, de s'abonner pour pouvoir recevoir d'autres vidéos. D'autres japapes encore brutes.